Le français en un clic. Le programme de français collégial dans tout le Maroc. Comme toujours, on va commencer par le plan d'aujourd'hui. Toujours dans le cadre de la séquence 3, rédiger le début d'une nouvelle, nous allons entamer une activité de langue. Je vous invite à prendre mon manuel sur la page 135. L'objectif de la séance d'aujourd'hui est de rendre l'apprenant capable de décrire des personnages en utilisant une expression de comparaison. La comparaison en arabe, al-muqarana. Voici le support d'aujourd'hui. Donc on va commencer d'abord par une petite lecture du support. Deux hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute, sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure que chacun posa près de soi. Et le petit homme aperçut, écrit dans le chapeau de son voisin, Bouvard, pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot « pécuchet ». « Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. » Donc, on passe aux questions. La première question, elle est très simple. Quelle est la source du texte? Toujours, on la trouve en bas à droite. Mastarnas, en arabe. Donc la source du texte, c'est Bouvard et Pécuchet, d'après Balzac. Question numéro 2. Que représente l'image? Shnukatchoufo, Sora. L'image représente deux personnages comme des fous. Première question. Je relève les noms des deux personnages. On a le nom des deux personnages. Très facile. Le petit s'appelle comment? Le petit dans le texte il s'appelle Pécuchet. Maintenant le grand. Le grand s'appelle, toujours d'après le texte, Bouvard. Passons à la deuxième question. J'utilise les expressions plus que, puis moins que pour comparer leur taille. Directement, je mets plus que, moins que, Pécuchet et Bouvard. Réponse. On commence par la première. Bouvard est plus grand que Pécuchet. Maintenant, deuxième réponse. Tu obtiens un clbo, tu comptes moins que. Donc, la réponse. Pécuchet est moins long que Bouvard. Question numéro 3. J'emploie ces deux expressions dans des phrases. Amin est plus rapide que Nabil. Iman est moins intelligente que Sarah. Donc, on a employé plus que et moins que dans deux phrases différentes. Question numéro 4. Je conclus que. Plus que, il exprime plus que. Qu'est-ce qu'il y a? دائما في إطار
مقارنة. Il exprime une supériorité, c'est-à-dire moins que, il exprime une infériorité, donc c'est-à-dire Question 5. Admettons que les deux personnages sont âgés de 55 ans. Ils sont tous les deux vieux. Je compare leur âge en utilisant l'expression aussi que. C'est-à-dire l'âge. En utilisant l'expression aussi que. Donc, la réponse devient Bouvard est aussi âgé que Pécuché. C'est-à-dire Bouvard, Théoa, Kbir, Hal Pécuché. Ou bien Bouvard est aussi grand que Pécuché. Juge sont justes. Question 6. J'emploie cette expression dans des phrases. Adin Haoul Koun Jumla fiha aussi que. Aussi que. كالتائمين كتعني كتقارن بين جوج حوايج لي يعني ونفس الشيء بليتو ماشي نفس الشيء كتقارن بنفس الدرجه ادم est aussi ponctuel que كريم c'est-à-dire كريم et ادم بجوج ils sont ponctuels je conclue que aussi que exprime donc هنا على غير plus que diel supériorité moins que infériorité aussi que shnatikonketani tout simplement deux choses qui sont égales c'est-à-dire ils expriment égalité tesawi car karno biha hwaij li mtsawi question 8 j'analyse la construction des trois comparatifs moins que aussi que plus que la réponse de la forme suivante. On prend plus, plus adjectif, plus que. Moins, plus adjectif, plus que. Aussi, plus adjectif, plus que. Donc, il a brûlé un schématisé ou actar. Je vous donne ce tableau-là. Il y a trois types de comparatifs. Plus que, moins que, aussi que. Les comparatifs, on les appelle comparatifs. Ce qu'il exprime, plus que la supériorité, moins que infériorité, aussi que égalité, la construction déjà comme avant, déjà, plus, plus adjectif, plus que, moins, plus adjectif, plus que, aussi plus adjectif plus que. Donc, ce que nous allons retenir, c'est ce tableau presque la même chose. On va retenir ça sous forme d'un tableau. Bouvard est plus grand que Pécuché. Comparatif est de la phrase ou plus que. Je ne peux exprimer plus que la supériorité. Pécuché est moins long que Bouvard. Le comparatif NA, c'est moins que. Ce qu'il exprime, c'est l'infériorité. Imen est aussi intelligente que Sarah. Le comparatif NA, ou aussi que, il exprime l'égalité tesawi. Voilà pour ce qui est la leçon d'aujourd'hui. Il est très facile, très simple et très court. Donc, je vous souhaite...